Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je la commence dans ma voiture parce que comme d'habitude, c'est la course. Et là, je pars. Alors moi, je dis faire de l'essence et à chaque fois, vous me dites, oh c'est marrant, on fait pas de l'essence, nayana. Je pense que c'est un truc du sud-ouest parce que moi, j'ai toujours entendu dire ça et je l'ai toujours dit. Donc je pars faire de l'essence. Parce qu'aujourd'hui, on emmène les deux chevaux en clinique pour voir l'ostéopathe. Parce que c'est un ostéo qui est rattaché à la clinique. Et il fait des tournées dans des écuries, etc. Mais moi, il ne va pas venir juste pour deux chevaux. Avant les championnats, je m'étais incrustée dans une écurie. Mais cette fois-ci, je vais les emmener tous les deux. J'ai mon transport et mon vent, donc je ne suis pas bloquée par ça. Et voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est parti pour aller faire un petit tour chez Total pour nourrir cette voiture. Je vais aller me chercher un petit truc à manger et on se retrouve après aux chevaux pour les emmener en clinique. C'est parti! Regardez Oreo. Je suis bien arrivée au pré. Le vent est attelé et prêt à débarquer. Enfin, embarquer d'ailleurs. J'ouvre la sellerie pour me rappeler qu'il faut que je mette les selles. Je vais ouvrir le pont et je sais pas si je vais avoir le temps de manger finalement. Parce que il faut que je brosse Quantum. Parce que Saphir, la couverture, ça va, mais Quantum, il faut le brosser. Merde, hier, j'ai oublié de fermer le portail. Pas bien. Aujourd'hui, on va user dans le capital gentillesse des chevaux. C'est pas du tout l'heure de manger, mais je vais les appeler. Comme ça, j'aurai peut-être le temps de, moi, manger un petit peu. Alors déjà, il y a les deux qui ne sont pas moi qui arrivent. Mais comme vous le voyez, ils n'arrivent pas à fond la caisse comme le soir. Hein. L'engouement n'est pas le même. Je vois au loin Saphir, qui est vraiment très très loin, arriver au pas. J'espère que ça va arriver doucement mais sûrement. Je vais aller mettre la selle et tout le tralala dans le vent. Et au pire, je secouerai des grains. C'est pas bien ça. Mais ça marche à tous les coups. Safou est ici. Par contre, patine du poney. Normalement, c'est lui qui arrive toujours en prums. Et là, j'espère qu'il va pas falloir que j'aille le chercher au fond. Regardez le retardataire là-bas. Pas trop vite, hein. Alors que c'est celui qui aurait dû se dépêcher le plus, vu dans l'état où il va être. Parce que sa fouille, il a la couette. Donc à part brosser les membres de Saf, j'ai rien à faire. On n'était pas pressé de venir me voir. Dis donc, t'es arrivé de l'autre bout du monde ou quoi? Bon bah c'est parti pour brosser les dos zozo là. Let's go. Tout le monde est propre. Bon, lui il est un peu jaune, mais c'est la loi du truc. Mégane nous a rejoint. Bonjour. Elle a mis un t-shirt blanc. Mickey. Et nous on est prêt à mettre les Protec. Oula. Oh. Du coup, je fais un petit fil à foin. Et ouais, je leur fais un fil à foin. Et après les Protec, et c'est parti. Pas le temps de manger. Tant pis. J'en aurai pour ce soir. Et j'ai du pain partout. C'est un plaisir. Ça c'est un enfer. Mmh. Là je peux pas le mettre dans la poubelle en plus. Et vu que toi tu filmes là. Je peux trouver le trou et après c'est bon. J'aime bien te voir galérer moi.
qui va voyager, c'est cool. Tu pars vraiment avec tes moon boots là? Non, je pense que je vais les retrouver. Non, parce qu'il fait quand même 17 degrés, tu vas quand même mis les chaussures du moins 30 quoi. Mais parce que c'est les chaussures que j'ai dans l'appart, le reste est dans la voiture. Il faut bien que je prenne des chaussures pour descendre. Attends, tu veux que je te file là aussi? Ah bah. Je vais être pas au but parce que t'es déjà en place. Ah, les moyens du bord. Hein. C'est vraiment trop mignon. C'est en version bébé. C'est une trop spéciale. Version moi. Non, il regarde, il arrive. Tu peux lui mettre la longue chou, longue normalement. Et normalement, il rentre. Tu sais, il a jamais fait avec autre que moi. Et moi, il va l'accompagner. Il va me visiter comme ça. Non, je pense qu'on les a besoin. Allez, mon Dieu. Allez, mon Dieu, je vais rentrer. Stop. Bientôt, qui dit moulin dit clinique. Bon, on est un peu en retard. 14h33. On a 3 minutes de retard. Inacceptable. Hop. Comment ça va les chiens? Ça va les poneys? Le black and white. Mon petit chat. Allez, recule mon poney. La longe qui traîne dans la merde, je suis joie et bonheur. Très bien ça, très très bien. Ouais. Non, non, on descend bien. On descend bien. Non, mais Saf, oh, il est trop pressé là. Mais quel âge avez-vous, sa fille? C'est ça, lui, il est descendu très bien. Et lui, de 17 ans, bientôt, nul. T'as vu des copains? Moi je tiens le vieux, tu prends le jeune. Alors déjà je vais te calmer, c'est pas un vieux, c'est un cheval en forme olympique. Ouf, vous avez pas vu toute la poussière qui est partie de ce petit être. J'ai attaché les deux au vent et je vais peut-être commencer à manger ma salade. Histoire de courir avec le ventre plein, ça va être bien. Parce qu'on est obligé de marcher et trotter pour le saf, et pour le poney je pense. Et courir, voilà. Parti, on va se faire tripoter. On va commencer par le poney, je pense. Ça te rappelle des souvenirs ici, mon chat, ou pas? Ok, on le fait trotter un petit peu. Il y en a plein. Allez, on peut le remettre au trot. Oh.
Saf. Saf. Ok, parfait, ça me va. Ça fout, il a pas commencé qu'il est déjà fatigué. Oh là là, les insupportables. Mélicole, oh, Mélicole. Mais le suite Saf, il est vieux, mais le suite Quantum, il a eu 2 semaines. Oh là là là, ça va finir en... Il y en a un qui va perdre. Je sais c'est lequel. Je sais c'est lequel qui va perdre. Tu peux pas s'empêcher. Hein. Tu peux toujours être devant la caméra, toi. Aucun signe dessus, il n'y a pas de douleur sur la situation temporelle. Souris. Ah bon? Ouais, je me fais plus d'illusions. Ouais. C'est pire, c'est fou. C'est foutu pour moi. Il est souple aussi. Hein.
Safou est pas confiant. Ça va bien se passer, Safou. Doucement. C'est le grand qui a peur qu'on perde au petit, c'est quand même... Doucement. Non. Mais oui. Doucement. Ça va pas bien. Ça nane. Les garçons. Oh putain. Mimi. Ouais, mais ça, c'est possible qu'il en veuille pas. Ouais. Ouais, c'est possible. Allez, cette fois-ci, quand tout mon premier. Ah oui. Bah, il a été exemplaire. Il va continuer sur la lancée. Je ramasserai les cacao près. Alors attends, ouais, t'as la longe qui est accrochée à la... Putain, merci, Saf. Allez, pio. Saphir, il est juste là. Allez. Allez, Quantum. Allez. C'est la tienne, hein. C'est ton caca. Mets-lui une pression du licol en avant. Allez. Voilà. C'est bon. Il veut pas marcher dans son crottin. Non. Tu veux fermer? Ça a remarché dans le crottin. On a dépassé ce stade de monter avec moi. Je sais, c'est pas remarqué avec quelqu'un. Allez, on cure. Ok. Ouais. Bah, c'est systématique maintenant, je sais. Je me rappelais plus qui t'avait bisuté. Ah, allez, ça. Ça bof, normalement là. À part le crottin qui peut le stopper. Alléluia. Grave. Moi par contre, Quantum il ne voulait pas, donc j'ai redû l'accompagner pour monter. C'est pas grave, pour faire des petites mises à niveau des fois. Normalement on avait dépassé ça. Mais c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'a pas voyagé, donc bon, on peut pas trop en vouloir. Mange mes chips. Moi j'ai mangé ma salade. Mais toi, oui. On a le même problème qu'avec Julia, c'est-à-dire que je suis encore une fois toute petite et Megan, elle est grande. Elle est beaucoup plus grande que Julia, toi t'es... Oui, t'es plus grande que Julia. Oh, oui. Et du coup, quand je filme, vous voyez encore ses boobs. Donc du coup, c'est bon, les chevaux c'est ok. Je vous ferai un bilan après, auprès. Globalement, tout va bien pour eux, il n'y a pas de problème existentiel. J'ai pris le rendez-vous pour Quantum pour faire les radios. Je vous avais dit que je voulais faire un genre de bilan veto. Enfin, de visite veto alors qu'il n'est pas du tout à vendre, hein, mais avec des clichés radio avant de commencer le travail. Donc on a rendez-vous début mars. Donc voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Je mange ma salade et on rentre. Regardez qui on a retrouvé. La beauté. Ben oui, attends, on va ouvrir. Ah, mon t-shirt. Ah, mon bébé, ça. Oh, il est surexcité, hein. On est bien rentré. Safou est en train de manger le foin et de vouloir faire pipi dedans, donc ça fait deux fois que je lui empêche. Et le Cantuminus, il est là-bas. Je vais nourrir et puis c'est tout. Voilà, les poneys sont contents. Ils mangent. Saphir, je te ferme parce qu'il faut que je te recouvre après. Tout le monde a mangé, tout le monde a bu. Safou est recouvert et Quantum s'est déjà barré. Je crois qu'ils sont contents d'être de retour au pré. J'ai mes petits comptes rendus ici, donc je vais pouvoir vous dire un petit peu ce qu'il en est pour les chevaux. Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de fou, ils vont très bien. On a commencé avec Quantum qui a eu encore une fois un comportement exemplaire. Enfin, c'est pas que j'en doutais pas, mais c'était la première fois qu'il a été manipulé là-bas. Il y a toujours, alors il n'y a pas trop de bruit, mais il peut y avoir des chevaux qui passent. Enfin, vraiment, il a été trop mignon, donc je suis très contente et très fière de lui. Lui, globalement, tout va bien. Il est un peu plus raide à droite qu'à gauche. Et il avait une asymétrie de fonctionnement du bassin et des raideurs au niveau des lombaires. Mais sinon, après, rien...
rien de bien grave. Enfin, il m'a dit c'est normal, surtout Quantum, il fait des petites acrobaties, hein, notamment quand il a neigé, il est tombé, vous savez, je vous avais dit, il s'est assis puis il s'est relevé en se cabrant. Ça arrive qu'il se prenne des pelles dans le pré en galopant comme un fifou, donc c'est des choses tout à fait normales, rien de bien alarmant. Et aussi, j'ai demandé si on pouvait les peser. Quantum, je l'avais jamais pesé et je ne pensais pas qu'il faisait ce poids-là. Moi, je pensais qu'il allait avoisiner les 350 kilos. Et il fait 457 kilos, le garçon. Voilà, il est tout petit, mais bien épais. Que du muscle. et ensuite, concernant Saphir, attendez, je change de main. Donc le Minous, pareil, rien de bien inquiétant. Il a toujours une asymétrie, mais ça, il m'a dit que c'était normal. Enfin, c'est du classique, entre guillemets. De toute façon, c'est déjà ce qu'il retrouvait à chaque fois qu'il le voit. Donc il y a cette asymétrie qu'il a réussi à bien corriger. Là, il m'a dit vraiment pas mal. Et la conclusion, c'est plutôt des raideurs dans les lombaires pour lui aussi. Il a rectifié l'équilibration des antérieurs. Voilà, plusieurs choses. Je lui ai parlé de son souci de mort, encore une fois, à droite. Il a regardé, comme le dernier dentiste, il a dit qu'il avait une asymétrie, là aussi, et un petit décalage dans la mâchoire. Mais à part ça, il n'y a rien qui explique le fait qu'il attaque le mort à droite. Il a vérifié tout ce qui était crânien, etc. Tout ce qui était... Il m'a expliqué un petit ménisque mandibulaire ou juste... trop quoi sur la tête qui peut avoir cet effet là, c'était ok. Donc bon, on n'a toujours pas la réponse à ça, mais en tout cas les chevaux vont bien. Et concernant le poids de Saphir, il fait 538 kilos, donc il est dans un poids de forme très bien. Il m'a dit qu'il était bien comme ça, sachant qu'au printemps il va forcément prendre un petit peu avec la belle herbe. Et par contre, il m'a dit que lui, il fallait qu'il garde un travail régulier parce qu'il prend un peu d'âge, hein. Saphir prend 17 ans cette année. Et il faut le garder musclé. Voilà, de toute façon, c'est ce que je prévois de faire. Il m'a dit aussi que de temps en temps, avant de monter, je peux le longer potentiellement, histoire qu'il se chauffe un petit peu sans moi, et de continuer sur tout ce que je faisais, à savoir les détentes, marcher un moment et après directement galoper pour lui chauffer le dos. Donc voilà, il m'a dit continuer de galoper en suspension avant de trotter, c'est ce que je fais. Il m'a dit en cas de raideur persistante, lui donner un complément pour l'aider niveau articulation, mais c'est déjà ce que je fais. Et même quand je sens pas de raideur, vous savez, avant les concours, il a toujours sa cure de chez Audevar de Nodolox, donc on est tout bon. Apparemment, je fais ce qu'il faut et voilà, les chevaux sont en forme, donc c'est le principal, je suis très contente. Bon les loulous, je viens de rentrer chez moi, il faut que je me douche, que je me prépare parce que ce soir, je sors. Donc je vais arrêter la vidéo ici, j'ai complètement oublié de vous dire au revoir au pré et là faut que je me dépêche. J'espère que cet après-midi avec nous à l'ostéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.